Yannick Noah gagne cet après-midi le tournoi de Toulouse en battant le Tchèque Smid en finale. Une semaine après la déroute de Prague en Coupe Davis, Noah a retrouvé son tennis un peu tard, diront certains. Les 20 km de Paris, victoire d'un jeune Britannique, Colin Moore, 25 000 concurrents au départ, mais comme chaque année, la grande pagaille dans les premiers mètres de la course. Et puis football, 45 138 spectateurs au Parc des Princes pour le choc Paris Saint-Germain-Nantes vendredi. Match exceptionnel en première mi-temps. Une nouvelle fois, Paris a prouvé qu'il savait gagner face aux meilleurs. Le Paris Saint-Germain, toujours invaincu après 15 journées de championnat. Bordeaux est à 7 points, Nantes à 8 points. Bonsoir, avec nous ce soir dans Stade 2, l'un des présidents de club les plus heureux de l'ensemble des clubs français, Francis Borrelli. Vous aviez une recette, Francis Borrelli ? Non, si j'avais une recette, je l'aurais donnée bien avant. Mais je crois que c'est le prolongement un peu logique, mais sans aucun triomphalisme, de ce qui s'est fait depuis ces dernières années. Et puis avec Amélie Houillet, et puis il faut le dire, deux joueurs de qualité plus grande. Ben voilà le résultat, mais enfin, en toute modestie, je crois que nous n'attions pas d'avoir un résultat aussi beau, aussi net, aussi clair, il faut bien le dire, parce que l'avance est considérable. Enfin, restons très très prudents pour la suite du championnat. Bien, on va y revenir dans quelques secondes avec Bernard Père, notre spécialiste du football. Nous commençons tout de suite par le tennis, Daniel Casal. Alors, la vie en rose retrouvée pour Yannick Noah. Il a battu cet après-midi le tchèque Smid 6-4, 6-4. Oui. Vous l'aviez trouvé au bout du rouleau cette semaine, et en particulier dans l'interview qu'il vous avait accordée dans le journal cette semaine, au bout du rouleau, et puis là, ressuscité au fil des jours. Oui, en temps normal, je dirais cette victoire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais après le week-end catastrophique de Belgrade, il y a simplement deux mots à dire à Noah, chapeau. Hein, parce qu'il s'est bien ressaisi, et il est arrivé à Toulouse extrêmement marqué par le week-end de Belgrade. Ça s'entendra dans les propos. Alors je vous propose un peu ce reportage, qui commence d'ailleurs par une petite séquence destinée à dédramatiser Belgrade. Soyez les bienvenus dans la cité de Violette. Très heureux de vous avoir parmi nous. Vous faites une enquête sur quoi? Je voudrais savoir si vous en voulez aux Français de leur contre-performance en Coupe Davis. Ah, on ne peut pas leur en vouloir, puisqu'ils sont plus. Hein. C'est décevant quand même. Pas plus que ça, pas plus que ça, mais enfin, disons que quand même, c'est pas sérieux, je trouve. Pas sérieux, c'est exactement le terme qui convient. D'ailleurs, les joueurs en sont parfaitement conscients et n'ont pas manqué de faire leur autocritique après ce qu'ils considèrent comme un accident ne reflétant en rien la vraie valeur du tennis français. Je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause le tennis français, puisque chaque joueur, les cinq premiers joueurs français ont fait leur meilleure saison cette année, peut-être à part Yannick, donc je pense pas que ce soit une cause de l'ensemble des joueurs français, c'est plutôt l'accident, on s'est pas préparé, Yannick est arrivé un peu trop confiant, enfin plein de choses qui ont fait qu'on a perdu ce match contre la Yougoslavie. Sentant qu'il était le principal responsable de la défaite, Noah redoutait l'accueil du public toulousain pour son premier match, mercredi contre Acuña. Mais les applaudissements chaleureux l'ont vite rassuré, Yannick en avait bien besoin car la reprise après Belgrade s'annonçait difficile. Quand je perds un match de Coupe Davis, le premier touché c'est moi. J'ai été d'autant plus touché cette fois-ci que j'ai mal joué. Pour différentes raisons, peu importe. Je veux dire, c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui vais jouer l'année prochaine en Coupe Davis en seconde division. Et c'est moi qui ai joué cette semaine après un moment difficile la semaine dernière. Après un premier set crispé face au Chilien, 52e mondial, Noah se libérait et s'imposait 7-6, 6-1. Une victoire qui faisait du bien après les critiques de Belgrade. Ben, ça prouve que je suis pas si nul. Ça prouve plein de choses. Je veux dire, pour moi, ça prouve plein de choses. Ça prouve que je suis capable de me remettre rapidement et que j'ai réagi. Au deuxième tour, devant l'Américain Dixon, 50e mondial et tenant du titre, Noah poursuit sa convalescence au premier set et parvient à la guérison au deuxième. Le score est le même que la veille, 7-6, 6-1. Acuña, Dixon, deux victoires rassurantes. J'ai pas besoin de faire des miracles à mon niveau pour battre ces deux joueurs, mais c'est vrai que je ressens aussi des sensations. Il faut que ça revienne, et je vais continuer. J'espère que je vais continuer dans cette pente ascendante, et puis voilà. Vainqueur de la ZEC en quart de finale et de Forger en demi-finale, Noah retrouvait cet après-midi en finale le tchécoslovaque Tomáš Šmíd, 17e joueur mondial.
Une finale que le Français a menée tambour battant grâce à son excellent service. Il a réussi 17 aces. Et grâce aussi à sa formidable présence au filet. À 4 jeux partout, Noah prend le service de son adversaire à l'issue de cet échange ponctué d'un passing shot de revers. Un revers qui aujourd'hui a parfaitement fonctionné. Menant 5-4 et 40-15, Noah gagne la première manche sur sa première balle de 7 grâce à un véritable smash de revers. Et comme pour remercier le public toulousain qui n'a cessé de l'encourager, Yannick Noah réussit sur la balle de match le fameux coup dont il a le secret. 6-4, 6-4, après Belgrade, Yannick Noah s'est réhabilité de la plus belle manière. Oui, superbe. Un petit mot de commentaire, Francis Borrelli? Non, oui, quand on voit les petits pas qu'a fait Yannick tout à l'heure, ça nous comble d'aise à nous tous et à lui, parce que c'est le pote que chacun connaît, puisqu'il joue de temps en temps au football avec nous, avec quelle vélocité. Alors, je l'ai suivi toute l'après-midi sur une autre chaîne. Je suis très content pour lui. Je ne trahirai pas ce que dit M. Houillet dans ses conférences d'avant-match, mais il dit souvent, il l'a dit, qu'il me pardonne, que les grands champions ne perdent jamais deux fois. Alors, je suis ravi pour lui, ça va le mettre en de bonnes conditions, il est tellement sensible qu'il mérite qu'on se douleure avec lui, même quand il perd. C'est un garçon très très sensible. Et 20 km de Paris maintenant, temps magnifique sur la capitale aujourd'hui, soleil, un petit air frais, très agréable pour courir, 25 000 concurrents au départ, donc la pagaille, on en parlait tout à l'heure dans les titres. J'en ai vu même ce matin partir au Gilles-du-Vauchel avec des tennis aux pieds, des tendinites, alors là c'est pas croyable, on va y revenir. Le résultat d'abord, donc, Colin Moore gagne avec une déception du côté de Lévis qui n'est que troisième. Oui, qui a eu un point de côté et qui a été pas mal handicapé. Mais donc avant de vous faire la petite histoire de cette course, eh bien nous accentuerons sur les problèmes de tendinite, de confort sur route, des chaussures notamment. Ça se passait donc cet après-midi à 13h sur le pont d'Iéna. Il faisait très beau, pas de vent. Et nous allons voir ce très beau départ. Avec un petit peu de pagaille, hein, on l'a dit quand même. Il y a quelques petits tricheurs. Près de 25 000 participants pour cette 7e édition des 20 km de Paris. Au départ, au pied de la Tour Eiffel, tout le monde se bouscule. C'est un peu la pagaille. Les cracks volent même le départ en s'élançant une minute avant la marée humaine. Le but est de ne pas se laisser enfermer dans le goulot d'étranglement qui forme un entonnoir. Les concurrents sont même obligés de faire du surplace. Très rapidement, un peloton de tête se forme. Deux inconnus, deux Anglais en rouge et bleu, Colin Moore et Karl Trakry. Parmi eux, Pierre Lévis, vainqueur l'an passé, mais un point de côté va freiner l'allure du Français. Les deux outsiders prennent largement la tête. 4 km avant l'arrivée, Colin Moore est seul. Il remporte sa première grande victoire internationale. Le voici à l'arrivée. Second, son compatriote Karl Trakry. Pierre Lévis termine troisième. La première dame est aussi britannique, Jill Clark. Loin derrière, la foule. Des milliers de pieds qui tapent le bitume. En 20 km, les pieds touchent le sol près de 26 000 fois. Pour un individu de 70 kg, la charge supportée par les pieds avoisine 1500 tonnes. Les pieds dans de bonnes chaussures, la base de tout pour éviter la tendinite. La tendinite ici, c'est l'inflammation du tendon d'Achille. Quelques conseils pour l'éviter. De s'entraîner régulièrement, de limiter le poids de corps. Si on est trop gros, eh bien, effectivement, les tendons souffrent plus. De boire suffisamment pendant l'entraînement, pendant les compétitions. L'hydratation est importante car le tendon n'est pas bien hydraté. Avoir des dents en bon état, on a constaté que certains tendinites étaient provoqués par des caries dentaires. Avoir une alimentation sans trop de viande, la viande aussi, peut favoriser les tendinites. Les chaussures, c'est important? Alors là, c'est capital. Il ne faut surtout pas courir des longues distances, comme les 20 km par exemple, avec des tennis. Les tennis sont faits pour jouer au tennis, et sur un court de tennis, on a 10 mètres devant soi. Et ces 10 mètres, on les fait sur la pointe des pieds. Alors que quand on court longtemps, c'est généralement avec le talon que l'on attaque, donc il faut avoir des chaussures qui absorbent les chocs au niveau du talon. C'est en analysant l'usure des chaussures que l'on peut choisir un modèle adapté. Vous changez de paire tous les combien? Tous les 9 mois.
Et quel budget pour vos chaussures? Ben, j'essaie de les prendre aux alentours de 300 francs, pas plus. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu une tendinite? Alors, la tendinite, effectivement, j'en avais. J'ai souffert beaucoup de tendinite. Et depuis que j'ai changé de chaussures, évidemment, j'ai plus de tendinite. Avec la mode du jogging, le marché de la chaussure de sport s'est élargi. Un exemple, rien que dans une marque, plus de 26 modèles différents pour la course sur route. Chacun peut donc trouver chaussures à son pied et ainsi supprimer une des causes de la tendinite. Après, lorsqu'on a une tendinite, on se la fait soigner. C'est un peu mon cas en ce moment, avec du laser même. Pierre Salviac, avant de passer au rugby. Présent debout. Vous étiez parmi ces 25 000 concurrents. On vous a pas beaucoup vu sur les images. Hein. J'étais, mais j'ai terminé. En alors, bien entraîné, pas de problème de récupération. Pas de problème, vous êtes frais, pas de tendinite. Frais comme un gardon. Très bien. Bon, alors vos impressions, en quelques mots, vos impressions vues de l'intérieur. Ah, c'est fou ce qu'on peut voir de choses et ce qu'on peut entendre de choses. Vous savez, les coureurs, moi j'étais dans la vague des ringards, alors j'ai entendu énormément de choses pendant les 5 premiers kilomètres. Alors là, des vraies pipelettes les coureurs. Puis alors après, plus rien. La fatigue commence à faire sentir ses effets, et alors là on court, en ne pensant qu'à la ligne d'arrivée, on n'entend plus personne. Mais à un moment donné, c'était drôle parce que j'ai rattrapé une fille, et alors en guise de dossard, elle avait mis « cherche désespérément une chambre à louer ». Alors, comme elle avait eu la bonne idée de mettre son numéro de téléphone, j'espère au moins pour ce soir, elle a trouvé sa chambre. Alors la troisième chose, c'était drôle, c'est qu'on m'a reconnu, à un moment j'étais très flatté, très content, on m'a dit « Allez Fabius !» Alors je sais bien que j'ai beaucoup d'ambition, mais tout de même, pensez à être Premier ministre. Vous avez quand même eu droit à la médaille, voilà, je vous la redonne. Hein. Merci. Rugby maintenant, Pierre. D'abord une information, Jérôme Gallion forfait, il a été blessé hier soir, Toulon-Biarritz, c'est ça, il a une entorse. Donc, il ne participera pas au test match samedi prochain, joué à Dax et en direct devant les caméras d'Antenne 2 dans les Jeux du Stade, Pierre. Alors, vous savez tout ? Bah ouais, pratiquement. Mmh. À propos des Japonais, ils ont pris quand même 90 points cette semaine devant les sélections. Alors, dur. On peut parler vraiment d'un test match samedi prochain contre l'équipe de France ? En tout cas, un test qui ne sera pas suffisant pour former l'équipe de France ou pour avoir une idée précise de la valeur des joueurs à la veille du tournoi des Nations. Et je crois que les sélectionneurs en sont très conscients. C'est la raison pour laquelle un projet est actuellement en cours. Il s'agit de créer ou de ressusciter une sorte de coupe intercomité. Alors, comme toutes les dates de dimanche sont prises par le championnat, il faut bien imaginer autre chose. Alors, ça se déroulerait d'ici à fin décembre, les mercredis soirs en nocturne. Les 16 comités les plus représentatifs seraient concernés, deux poules géographiques de 8 comités. Évidemment, ce seraient les sélectionneurs de clubs qui se chargeraient de sélectionner les meilleurs joueurs. Alors Jacques Fourreau attend beaucoup de cette coupe intercomité si elle voyait le jour. Le problème, c'est que les présidents de club, en revanche, ne sont pas tout à fait d'accord pour laisser leurs joueurs déjà très sollicités par le championnat s'égarer dans une coupe intercomité dont on ne connaît pas encore le succès populaire et financier. Alors le championnat c'est maintenant, bien, dis, non oh, c'est parfait, puis en plus c'est une information. Oui, non, pas, c'est vrai, oui, vous ne l'avez pas vu. Alors championnat maintenant. Le championnat, parce que le championnat continue, et j'ai choisi le match du jour, Racing contre Perpignan. Allons-y pour les images. 5000 spectateurs au stade Yves du Manoir pour assister au match Racing-Perpignan, l'une des plus belles affiches du championnat. 5000 spectateurs dans un stade de village, ça fait riche, mais dans les tribunes de Colombes, ça fait plutôt vide. Alors pourquoi les dirigeants s'entêtent-ils à faire jouer leur équipe si loin de Paris? Réponse du président Jean-Pierre Labrou. Colombes n'est pas loin, Colombes est tout près. En effet, le dimanche, en partant de l'Étoile, vous prenez l'avenue de la Grande Armée jusqu'à la Porte Maillot. Porte Maillot, l'avenue de Neuilly, jusqu'au pont de Neuilly. Au pont de Neuilly, vous empruntez le boulevard circulaire de la Défense et vous prenez l'autoroute de Pontoise. Je précise bien Pontoise car Colombes n'est pas indiqué à ce stade-là. Vous suivez l'autoroute de Pontoise. À partir du premier carrefour, vous voyez indiqué Colombes et vous sortez à la deuxième sortie de Colombes, dites Colombes Centre. Et là, le stade Yves du Manoir est fléché. Eh bien, ce trajet-là, le dimanche, en début d'après-midi, vous le faites en moins d'un quart d'heure, je vous l'affirme. Un quart d'heure, c'est précisément le temps qu'il a fallu à Perpignan, maillot bleu, pour prendre ses distances avec le Racing. L'USAP mène déjà 9-3 quand il joue cette mêlée dans les 22 mètres du Racing. Essai de Bosch, qui va transformer Polo, 15-3 pour l'USAP. Qui fait le break. Le Racing tente bien de réagir, prend le jeu à son compte, mais se heurte chaque fois à la défense catalane qui a tendu les barbelés. Ici, c'est une passe de Gosper pour la fond intercalée qui donne à Rousset, mais on ne trouve pas comme ça la défense de l'USAP. Encore une attaque avortée pour le Racing qui tombe dans une embuscade. Perpignan. Ils étaient assez portés sur le jeu d'attaque derrière. Alors, on avait travaillé beaucoup la défense de ligne.
c'était beaucoup, on avait quadrillé le terrain, aussi bien les avants que les trois quarts, c'est-à-dire que sur chaque sortie de regroupement, on avait préparé un peu le coup. Préparer le coup et préparer le contre aussi. Le Racing n'en finit pas de buter sur cette défense de Perpignan, agressive et inspirée. Encore une balle perdue par les attaquants parisiens. Et un pressing catalan qui renvoie les joueurs du Racing dans leurs 22 mètres. Et là, c'est le sauve qui peut. Rousset, sur cette lame de fond, qui sent le raz-de-marée, concède une mêlée à 5 mètres. Dur, dur. Mêlée à 5, 1,89. Cazot pour Maccabio et Tiné qui marque l'essai. Comme Polo le transforme, 21-6 pour l'USAP à la mi-temps. Il reste 40 minutes au Racing pour refaire surface. Mais les joueurs parisiens ne trouvent l'ouverture qu'une seule fois. En début de deuxième mi-temps, sur cette touche qui a été rapidement jouée, échappé de Genet, Bouziard à l'intérieur, le pilier marocain du Racing, Rousset et Gosper qui s'en va marquer entre les poteaux. Mais finalement, le Racing perd 12-21. Faire les jeux, ça ne paye pas toujours. Dur, dur. Au revoir, Papa Rambord. Quand on voit votre équipe prendre ainsi le jeu à son compte et perdre le match, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un beau gâchis. Mais vous avez raison, c'est du gâchis dans la mesure où on avait tous les ballons, mais vraiment tous les ballons en touche, même en beaucoup en mêlée ouverte. Et on a beaucoup trop joué, puisque à la sortie, nous avons fait tout le jeu et nous sommes battus ce soir par un score même assez large, 24-12, je crois, ou 21-12. Et par contre, Perpignan a su très très bien mener son match et c'est normal qu'il gagne puisque nous leur avons fait non seulement un cadeau de 12 points mais qu'eux ont marqué deux très beaux essais suite à des actions très très bien menées. Dans le détail maintenant, les résultats de cette journée dans le groupe A, poule 1, vous noterez la victoire de Béziers à Lombez et Saint-Matan. Premier ex aequo, Béziers, Bagnères et le Stade Toulousain à 1 point. Toulouse qui est battu à Romans. Dans la poule 2, victoire de Biarritz à Toulon, c'est la grosse surprise du jour. Toulon qui perd du même coup, Galion et Gelles blessés. Premier Biarritz, deuxième ex aequo, Bayonne, Pau et Toulon. Tulle-le-Creusot dans la poule 3 a été reporté à cause du match des Japonais. Montauban est battu chez lui par Nîmes. Premier Agen, deuxième Nîmes à 2 points. Dans la poule 4, Montferrand et Perpignan réalisent les bonnes affaires du jour. Premier ex aequo Montferrand, Perpignan et Tarbes. Groupe B maintenant. Victoire de Voiron à Clermont. Vienne est tenue en échec. Premier Voiron, deuxième Aix-les-Bains à 1 point. Tous les clubs qui recevaient ont gagné dans la poule 6. En tête Angoulême, deuxième La Rochelle à 1 point. Condon qui gagne à Cahors. Premier ex-aequo, Hoche, Saint-Gaudens et Colomiers dans la poule 7. Tandis que dans la poule 8, vous noterez deux victoires à l'extérieur, celles de Villefranche, Lauragais et Montélimar, tandis que Montpellier est tenu en échec par Albi. Alors premier ex-aequo, Blagnac, Castelnaudary, Montélimar, Thuir et Villefranche de Lauragais, terminé. Championnat de France de hockey sur glace, les résultats de la soirée. Première défaite des Français volants chez le champion de France. C'est la journée des matchs gagnés à l'extérieur. Exploit pour Gap, Tours, Megève et Briançon. Premier Saint-Gervais, deuxième Briançon, Gap et les Français volants. Les Français volants de Paris qui se produiront pour la première fois devant leur public à Bercy vendredi soir. Et oui. Venez voir, ça vaut le déplacement. Et oui, puis juste avant, il y avait Jacques Higelin. Là aussi, il fallait y aller parce que c'était vraiment exceptionnel. Patrick Chen, vous êtes galant, bravo. On va parler de basket et vous allez aujourd'hui donner la priorité au basket féminin avec un club pas tout à fait comme les autres, le Stade Français Versailles. Tout à fait, Gérard. Un club nouveau, il n'existait pas l'an passé. Il est né d'une fusion entre le Stade Français Paris, qui dominait nettement le basket féminin l'an passé. Mais le problème pour le basket à Paris, c'est que ça ne fait pas recette. Alors, on a décidé de s'expatrier à Versailles, on a fusionné, et on a maintenant le Stade Français Paris-Versailles, c'est un peu long, mais ça fait recette, il y a du public, il y a des moyens, et on a retrouvé les meilleures équipes, les meilleures joueuses françaises, qui veulent un peu rivaliser avec le CUP de la grande époque, et qui ont tenté, notamment par leur recrutement cette année, une très très grande aventure. Alors justement, recrutement, Patrick, il y a aussi une histoire de recrutement avec une Américaine venue d'ailleurs, là. Tout à fait, c'est l'histoire d'un recrutement, alors. Denise Curry, c'est une des meilleures joueuses du monde, une des cinq meilleures joueuses du monde. On l'a proposé au Stade Français Versailles par l'intermédiaire d'un agent à 30 000 dollars. Cela représente 25 millions de centimes, c'était trop cher. Mais grâce
à l'intervention de Marianne O'Connor, qui est une Américaine installée en France depuis plusieurs années, eh bien Denise Curry a pu venir en France pour moitié prix. Voici comment Denise Curry, l'une des 5 meilleures joueuses du monde, a atterri à Versailles. Musique US dans les rues de Versailles, mais que la population bien tranquille des Yvelines se rassure, Denise Curry ne dérangera personne, c'est même une voisine bien tranquille. Elle présente pourtant une carte de visite particulière, peut-être même la plus prestigieuse en France. Elle est en effet à la fois championne du monde, championne olympique et médaille d'or aux Jeux panaméricains. 1m90, cela se remarque pourtant dans les jardins du château de Versailles, mais que vient donc faire en France cette sportive de haut niveau ? Denise, vous avez préféré venir faire de la bicyclette en France plutôt qu'en Italie ou au Japon. Oui, j'avais la possibilité de jouer en Italie ou en Espagne, mais j'avais plutôt envie de vivre en France. Voici pourquoi je suis là. Mais pourquoi Versailles ? C'est une très belle équipe et une de mes amies, Marianne O'Connor, a des relations privilégiées avec cette équipe. C'est elle qui m'a mis en contact avec Versailles. C'est vrai que les sportifs américains ont une mentalité différente des autres. Mais les Français aussi sont différents des Allemands, par exemple. Les Américains appréhendent le sport avec beaucoup de sérieux, et c'est ce que je fais. J'aime jouer, c'est un nouveau défi pour moi de tenter d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et de vouloir gagner le titre de championne de France. Ce défi, Denise Curry le relève aux côtés de Guylaine Renaud, entraîneur comblé de l'équipe la plus compétitive du basket français. Une équipe née de la fusion de deux clubs, le Stade français Paris et Versailles. Ce soir-là, elle disputait le match retour du premier tour de la Coupe d'Europe des clubs champions face aux champions d'Espagne, Madrid. Tenue en échec 64-64 la semaine précédente, les joueuses du Stade français Versailles se présentent pour la première fois devant leur public et tous les regards, bien sûr, sont braqués sur la très fameuse mais inconnue ici, Denise Curry. L'investissement, même s'il n'est pas énorme, on parle d'une quinzaine de milliers de dollars pour la saison, est assez important pour que les dirigeants n'aient pas de droit à l'erreur. Face à une équipe qui est tout de même championne d'Espagne, on s'inquiète, le départ n'est pas tout à fait concluant. 11 points partout, après 8 minutes de jeu, le Stade français Versailles en bleu a besoin d'un déclic pour contrer ces Espagnols, pas très grandes certes, mais au jeu assez élaboré. Ce déclic, il intervient bien sûr sous la forme de Denise Curry. Un premier panier à 3 points, celui-ci, et c'est le début d'une longue série. Elle marquera beaucoup, 27 points, mais favorisera également le jeu de Clézardin, Étienne et les autres. Denise Curry a montré le chemin, c'est exactement ce que l'on attendait d'elle. Elle se concentre, même pour un entraînement. Elle n'aime pas arriver en retard, donc la moindre chose, éventuellement, les journalistes qui arrivent et qui veulent un interview, ça lui pose quelques problèmes. C'est, je crois, une approche du basket très professionnelle, mais qui est agréable pour l'équipe parce que c'est un exemple. Elle sait tout faire. C'est une joueuse formidable. Au niveau même de sa présence elle-même, elle encourage les joueuses. Elle est capable de donner le ton, donner les balles, mettre les paniers. Et vraiment, c'est une grande chance d'avoir Denise Curry dans son équipe. Résultat ce soir-là, 81-48 pour le Stade français Versailles et la qualification à la clé. Denise Curry, c'est le bon choix. Philippe Restoux peut le glisser à l'oreille de Guylaine Renaud. Opération recrutement réussie. Démonstration maintenant de son talent sur cette action. Elle démontre qu'elle possède les fondamentaux du basket. Mais suivez bien celle-ci également. Son regard vous entraîne sur la droite de l'écran, mais le ballon, lui, s'en va sur la gauche. Ça marche, et cela lui plaît beaucoup. La preuve en chiffres maintenant de la domination des basketteuses du Stade français Versailles, victorieuse de 30 points à Aix-en-Provence, 97-67. Le Racing, Strasbourg et Nice, vainqueur à domicile, partagent la première place avec les Versaillaises. Aujourd'hui, Villeurbanne a battu Mirande, 88-71. Chez les hommes maintenant, premier succès du Stade français. Après les 4 défaites consécutives, Villeurbanne, vainqueur de Monaco, est seul en tête. Orthez passe 13 points à Limoges. Antibes sans souci devant Vichy.
National 1B, Mulhouse vainqueur à Voiron et Reims après son succès sur Rennes se partagent la première place. Premier succès pour Nancy, toujours en lanterne rouge tout de même, derrière Rennes et Grenoble. C'est fini. C'est fini, mais c'était bien. À toute vapeur, maintenant, on passe à la voile, Jean Mamère. On ne sait plus, on ne sait plus où donner du spinnaker et du phoque en ce moment. Il y a la mini transat qui repart des Canaries, qui vient de repartir, elle est repartie hier. Demain, il y a un Américain qui s'appelle Dodge Morgan qui repart pour essayer de battre le record du tour du monde en solitaire sans escale, c'est ça? Exactement, et puis le Chablis, le Britannique. Ouais. Et départ donc aujourd'hui de Monaco-New York. Alors c'est une course nouvelle avec beaucoup d'argent, mais peu de concurrents. 1 million de francs et 9 concurrents seulement, 6 multicoques et 3 monocoques. Mmh. Alors une désaffection qui s'explique de deux façons. L'une, c'est que certains n'ont plus de bateau, comme Pajot, ou un bateau endommagé, comme Fontaine, ce sont les séquelles de la course de l'Europe. Pour d'autres, on prétexte un calendrier épais, mais en fait, la vraie raison, c'est un peu la peur d'affronter et la Méditerranée, mais surtout l'Atlantique, en cette période de l'année, et dans le sens Europe-États-Unis. C'est un peu dommage de ne trouver que 9 monocoques sur cette course, à ce moment-là, au moment où, bien sûr, on veut faire de la voile spectacle, car monter un spectacle sans acteur, c'est difficile. Oui. Mais de toute façon, le départ a tout de même bien été donné, aujourd'hui, en baie de Monaco, par le prince Albert lui-même, en personne, et à 13h01, très précise. Et pour en finir avec les malheurs, le départ est donné par un vent pratiquement nul, deux nœuds seulement. Beaucoup de voyeurs, cependant, ont accompagné sans difficulté les concurrents. Il faut dire qu'à ce rythme-là, le premier n'atteindrait New York qu'à la Noël. C'est long. Pour parcourir 4000 milles, à peu près 7000 km. Tronc commun pour tous jusqu'à Gibraltar, mais au contraire des monocoques, les multis devront virer l'île de Madère, 300 milles de plus à effectuer dans des conditions inconnues. Les risques, c'est du Mistral assez fort au départ. Entre Madère et les Açores, on aura certainement du beau temps et un risque de mauvais temps, mais le risque, de toute façon, il est permanent. Parcours intéressant donc, avec d'entrée une première surprise, ce manque de vent. Ce n'est pas le fort du grand catamaran de Patrick Morvan. Son plus sérieux adversaire, François Boucher, sur son trimaran à foil de 22 mètres, révélation de la course de l'Europe, en a profité pour prendre le meilleur départ. D'autres prétendants à la victoire, comme Mike Birch, ont bien failli ne pas dépasser la rade de Monaco. L'accident avec le catamaran de Robin Knox Johnston a été évité de justesse. Départ tranquille pour Philippe Poupon sur son vieux trimaran, vainqueur de la Transat en solitaire. Chance bien faible pour l'ancien trimaran de Florence Artaud, barré ici par son frère Jean-Marie, mais en fait, ce manque de concurrence ne gêne personne. Qu'il y ait 10 bateaux ou qu'il y ait 2 bateaux pour nous, on ne se verra pas. Donc on sera une lutte permanente et ce sera exactement la régate qu'on avait l'habitude de faire, le bord des bateaux. Mais c'est dommage de ne pas avoir un plateau de 20 bateaux pour un départ. Mais dans le fond, la course, pour nous, ça ne changera pas. François Boucher, lui, ne s'est préoccupé de personne. Il a empoché la prime de 25 000 francs décernée au vainqueur d'un parcours préliminaire dans la baie. Une première raison de faire comprendre aux absents qu'ils ont eu tort. Maintenant, les affaires sérieuses commencent. La direction Gibraltar. Bien, alors... His name is Robert Paulson.